Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la Ambernic RG552. Il y a un abonné qui m'avait demandé donc de tester Daytona USA et Sega Rally 2 sur Dreamcast. Dans la vidéo que j'ai enregistrée hier sur quelques jeux Dreamcast, j'ai présenté Daytona et alors j'ai signalé qu'il y avait un gros souci avec Sega Rally 2. J'avais dit qu'il saccadait pas mal et en fait il n'en est rien. Le seul gros souci qu'il y a avec Sega Rally 2, c'est que le son grésille pas mal, quoi. C'est pas très très agréable, mais au niveau des saccades, je trouve que ça tourne quand même pas mal. Et donc voilà, je voulais quand même réparer cette petite erreur et je vais vous montrer ça tout de suite. On va mettre le mode arcade. On va faire le championship. Et on va prendre la petite Lancia Delta en automatique. Donc vous entendez, déjà là, le son il grésille. Donc pour ce jeu-ci, l'accélérateur c'est R2 et le frein L2. Changer de vue ici. Voilà, j'espère que vous entendrez bien. Voyez, au niveau du son, c'est pas très très agréable, mais sinon le jeu il saccade pas, ça va encore quoi. C'est vrai qu'au niveau du son, c'est pas agréable du tout, mais bon, il y a quand même moyen de jouer avec. J'ai essayé de mettre le jeu en mono pour voir si ça changerait quelque chose, mais ça ne change rien. Ici, ce que j'ai fait pour que ça s'entende quand même moins, j'ai mis les musiques moins fort. On va continuer un petit peu. Mais du fait de l'emplacement de l'accélérateur et du frein, la petite gâchette, là, c'est pas pratique du tout. Vous jouez plusieurs minutes comme ça, vous avez mal aux mains, je vous l'assure. Mais bon, il y a moyen d'aller changer, chipoter dans les options de la machine pour que l'accélérateur et le frein soient sur d'autres touches, notamment peut-être sur L1 et R1, ce qui serait déjà moins embêtant. Oufti. Ou alors peut-être mettre l'accélérateur sur la touche B et le frein sur la touche A. Voilà, on n'y arrivera pas malheureusement.
Voilà. Ben comme ça, vous aurez vu ce que ça donne Sega Rally 2 sur Dreamcast, donc sur la RG552 d'Ambernic. Et alors, n'hésitez pas à me demander, hein, il y a quand même un bon paquet de jeux Dreamcast et d'autres machines, évidemment. Si vous avez des titres bien précis que vous aimeriez que je vous présente, vous me le demandez dans les commentaires et je ferai ça avec grand plaisir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Jouez bien. Ciao, ciao.